Alors au départ, il y en avait 107. Bon, il doit en manquer une dizaine maintenant. Et le rallye de l'Épine, c'est une épreuve où il y a à la fois les voitures modernes, il y en avait 79, à la fois les voitures anciennes, les véhicules historiques compétition, les véhicules modernes aussi, en VMRS et les VHRS aussi. On a des Corses hein, au départ, en VHC, et on a des pilotes de toute la région Rhône-Alpes, hein, du Forez, la région de Lyon, un peu partout. Quoi. C'est un rallye national voilà, qui a 96 km d'épreuves chronométrées. Et c'est des épreuves qui sont très techniques. C'est le tracé hein, qui est la difficulté, où c'est ajouté les feuilles qui sont tombées et qui ont rendu la chaussée glissante. C'est le deuxième rallye qu'on fait cette année. Et on est de la région puisque mon fils habite Jonjeux et moi j'habite dans l'Isère. Et j'ai toujours couru à l'ASA 73. Très bien, très bien. Alors après, on a géré pour que ça glisse normalement, enfin que ça aille le mieux possible. Et on a mis un peu de temps à se remettre dans la deuxième puisqu'on a eu un arrêt de course long. Donc le temps de se remettre dans la spéciale, c'était un peu plus compliqué. Mais très bien, très bien. Pas de souci. Là, on en est donc à la quatrième année et on évolue d'année en année et on s'améliore d'année en année. Alors déjà, on rajoute une spéciale qui était assez mythique à l'époque du rallye de l'Épine, c'est-à-dire le relais, la montée de l'ORTF. Et après, on a dans la zone industrielle, on a vraiment nos voisins qui sont, on va dire, partenaires. On s'entend très bien les uns les autres. Donc tout le monde met à disposition des parkings, tout ce qu'il faut pour les assistances, café Folliet, SEF Transport et compagnie. Le PC Course est ici à l'intérieur. Nous, de mon côté, je m'occupe de la restauration. Donc on a vraiment des équipes soudées qui sont en partenaire avec nous et qui font tout. Très bon état d'esprit et que le rallye vive longtemps parce que vraiment c'est une discipline qui est formidable. C'est une discipline d'équipe. Vous voyez tous les gens qui sont autour de ce rallye, c'est magnifique. C'est un rallye où on fait que du bénévolat. Oui, il faut aussi en parler. Tout l'argent qu'on rentre est rétrocédé aux diverses associations, entre autres le Team 73, le Team J'adore cette ambiance qui est avec nous. Et on travaille pour le plaisir et pour faire de l'argent pour eux. Voilà, c'est le but.